c'est avec adversité et beaucoup de courage que Oliver Plasma a réussi à escalader cette montagne infranchissable. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour le deuxième temple de Skyward Sword. Donc voilà, là il fallait trouver quelques morceaux parce que là j'ai mis pas mal de temps à monter cette montagne. Bon, même si j'ai déjà fait le jeu, donc c'était pas très difficile, même si je suis en mode héroïque, il fallait que je fasse gaffe. Parce qu'en mode héroïque, c'est quand même assez hard. Et là, je vois qu'il y a des ennemis qui ont popé. Ces ennemis-là sont des ennemis... sont des ennemis complètement cons, aussi. Ce sont des ennemis qui nous balançaient, qui nous balardaient des cailloux, par exemple, en bas. C'est un level design assez bien pensé, je trouve. Il nous balançait des cailloux et on devait monter comme un acharné en utilisant notre endurance. Comme je vous l'ai montré au début, je pense, dans la partie intro. Je vous mettrai le lien dans la description, sans doute. Et voilà, donc j'ai trouvé la clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Pour pouvoir rentrer dans ce magnifique temple. Le temple de la Terre. Alias temple du feu pour moi. Cela fait plus penser au feu. Voilà. Et nous nous dirigeons dans une grotte volcanique qui fait fort penser au temple du feu de Wind Waker, au temple du feu de Ocarina of Time. Et je pense que c'est tout. Ah si, de Twilight Princess, je crois qu'il y en avait, oui. Twilight Princess également. Je pense que, je sais pas, Majora's Mask, je l'ai pas fini, mais je pense pas que, qu'il y a un temple du feu. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Ah, parce que j'ai envie de me spoiler la gueule, moi, dans Majora's Mask. Voilà. Je cherche des solutions. Non, je rigole. Non, mais dans Majora's Mask, le jeu est tellement dur, difficile, que, au début, franchement, je suis complètement paumé. C'est le seul Zelda où je suis complètement paumé, parce que Ocarina of Time, par exemple, je l'ai eu sur 3DS. La version 3DS, donc ça va être difficile de pouvoir filmer. Si on passe temps. Attends, je vais plutôt baisser mon son. Pour pas qu'il y ait de problème. Bon, je pense que c'est un peu trop bas là. Vaut mieux quand même mettre 5, puisque écouter les magnifiques musiques des temples, moi, c'est toujours des musiques réconfortantes. Surtout que j'aime bien ce thème là. Souvent on a affaire à des bons thèmes, même si c'est pas de l'orchestral, voilà. Ah, y'a des tonnes de monstres partout! Je peux même pas rejoindre mon pote! Je savais que j'aurais dû rester chez moi! Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? Décidément, tu choisis de drôles d'endroits pour chercher ton ami, dis donc! En parlant de ça, avant de venir ici, j'ai vu une blonde bizarre se faire enlever! J'ai pas vraiment pu l'aider, tu comprends? Il y avait tellement de monstres! D'ailleurs, si tu tiens la vie, tu ferais bien de tailler toi aussi! Voilà. Donc voilà, c'est une nouvelle espèce, cela, je sais plus comment ça s'appelle, des. Bon, je sais plus, mais c'est une nouvelle espèce. C'est la première fois qu'on les voit dans un Zelda. Une espèce qui me fait fort penser à Crash Bandicoot. Je sais pas, ils ont un peu la même gueule que Crash Bandicoot. C'est un peu... Ils ont un peu la même gueule que la famille Bandicoot. Ah, déjà un rubis rouge. Mais décidément, je fais que de parler de Crash Bandicoot en jouant à Zelda, puisque je me souviens aussi d'en avoir parlé dans Wind Waker, en faisant le temple de la Terre, je pense. Oula, mais c'est quoi ça? C'est déjà bien parti pour ce début. Pourquoi il a pas remonté? Des fois, les sauts automatiques, c'est pas très bien fait. Ça marche une fois sur deux, surtout quand on est face à des plateformes rocheuses, rocailleuses comme ça, qui sont un peu disformes. Voilà, là je sais, il faut abaisser le levier. Ah purée. Et qu'est-ce que pourtant je l'ai tapé? C'est pas vrai. Ah là vous voyez, bon exemple pour vous montrer que notre bouclier, je sais plus si je l'ai dit dans le premier donjon, que notre bouclier
à une barre de vie, parce que là je viens de me protéger avec mon bouclier et j'ai un tout petit peu perdu de ma barre de vie. Enfin, pour mon bouclier. Mais aussi de ma barre de vie tout court. En tombant dans la lave comme une merde. Et vu que je suis en mode héroïque, et ben je perds deux cœurs au lieu d'un. Ce qui fait pas du bien. Oh purée. Oh non, ça va recommencer. Pas le bug de la manette. Je crois que ça peut aller. Oh non, pas ça. Allez, ça c'est un nouvel ennemi. Le détecteur de nouveauté peut être mis devant vous, qui semble doter de force, de fortes capacités physiques. Appuyez sur bas lorsque vous suivez un ennemi avec Zed, et je vous fournirai toutes les informations dont je dispose à ce sujet. Voilà, encore notre ami Fail, qui ne sert pas à grand chose. Aïe, c'est super. Je joue vraiment bien pour ces débuts de partie. Donc ceux-là, il faut avoir une technique assez spécifique pour les avoir. Ils sont pas faciles à avoir. Bon, même si là, franchement, j'ai eu de la chance. Ils sont souvent pas faciles à avoir. Et là, ah voilà des graines. Mais bordel de merde, fallait m'en donner dans le premier temple. Ah, j'ai souffert dans le premier temple avec les graines, hein, quand même. Avec vous. C'était la première fois que j'étais en manque de graines. Comme par hasard, c'est quand je fumais. Normal. Ah oui. Les catastrophes qu'on rencontre presque jamais dans le jeu, on les rencontre via au boîtier d'acquisition, quand on filme. C'est n'importe quoi. Je sais pas, on a peut-être envie de faire notre intéressant quand on est en train de filmer et de faire du freestyle total et de faire n'importe quoi. De se viander à plein de trucs et là, purée, la manette qui est encore déconnée. Oui, parce que là, en fait, pour la petite info, je n'avançais même pas avec mon stick directionnel, il avançait tout seul. Donc c'est pas pratique. Bon, on va aussi avoir le sac de bombes dans ce donjon. Bon, attention, petite larve. Bon, elles sont pas très dangereuses. Des fois, on en rencontre des plus grosses qui se multiplient quand on les touche. Voilà, déjà une statue de sauvegarde. Bon, il y en a un peu trop des statues de sauvegarde à chaque temps. Par exemple, dans les anciens Zelda, il n'y avait jamais de sauvegarde. Hein. Là, franchement, ça se voit que ce Zelda-là a été plus fait pour les jeunes joueurs. Ouais, en même temps, là, oui, la console de la famille, c'est normal. Ah, je ne trouve pas. Où est-ce que j'ai bien pu le fourrer? Je l'ai perdu en venant ici ou quoi? Ah, tu tombes bien. C'est moi, Ferrug. C'est pas le hasard qui nous fait nous rencontrer. J'en suis sûr. Je me souviens même plus de toi. T'es venu m'aider à rechercher mon sac de bombes? Je cherchais des trésors dans le coin quand je suis tombé sur des monstres derrière ces rochers. J'ai dû le perdre quand je me suis carapaté. Ce sac, c'est super pratique. Ça permet de ranger les fleurs de bombes et de les utiliser quand tu veux. C'est trop galère de pas en avoir. Si tu veux pas chercher mon sac de bombes, les monstres ont dû le ramasser. Allez, quoi. Moi, je suis une chiffmole. J'ai pas d'épée. Donc voilà, il faut trouver son sac de bombes. Bien sûr, moi je sais, mais je sais tout, moi. Attends. Je sais comment l'avoir. Bon, je vais pas dire ce qu'il y a derrière, mais il vaut mieux que je me prépare, parce que, attends, j'ai... Bon, ça peut aller. Aïe, je me suis acheté quelques emplacements. J'ai un emplacement en plus ici, par rapport à la vidéo d'avant. Et peut-être celui-là, je sais plus si j'avais... Bon, je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pu continuer. Parce que la vidéo, elle doit dater de du Temple 1 que j'ai toujours pas mis en ligne. Là, elle doit dater de quelques mois, 3 mois ou 4 mois, un peu plus même, je pense. Bon, il fallait bien faire une deuxième partie. Même de toute façon, moi, je vais vous montrer pas mal de choses dans le jeu. Ah, attendez. Allez, je suis en mode galère, il faut absolument avoir le... Voilà, la fée, qui nous permet de nous rendre 6 cœurs.
Et même quand on se fait tuer, elle nous soigne automatiquement. Ce qui est fort sympa. Voilà, je déterre pas mal de rubis. Et vu que je suis en mode héroïque, il n'y a pas de cœur. Normal. Mais ça a vraiment une difficulté en plus, parce que il y en a qui peuvent se dire que le mode héroïque c'est juste pour augmenter la durée de vie, juste comme ça, c'est pas trop utile. C'est juste un mode difficile vite fait, quoi. Et moi je trouve pas que ce soit un mode difficile bas de gamme, comme la plupart des autres jeux, où c'est juste par exemple, on perd 2 cœurs de plus au lieu d'un, même si c'est ça là, mais. Là la différence c'est que, elle est flagrante, c'est que on n'a plus, mais vraiment plus du tout. On peut plus du tout trouver de cœur. Sauf si on achète une certaine médaille qui nous permet d'avoir des cœurs. En coupant des hautes herbes ou ce genre de choses. Et moi je préfère d'abord utiliser ma potion. Ouais, et puis c'est go, on est parti pour la baston. Cette baston qui fait fort penser à les deux lézards, comme vous voyez. Ça fait fort penser à Ocarina of Time. On combattait aussi deux lézards comme ça. Ah merde, mais j'ai plus mon bouclier, je me disais que c'était bizarre. C'est pas possible. On voit vraiment l'habitude là, oui. Pourtant moi je suis un pro à ce jeu là. Oh, je me suis même pas fait toucher avec la chance. Et voilà, on a battu déjà le premier ennemi. Bon, c'est peut-être parce que je refais le jeu une deuxième fois avec la technique. La première fois, je m'étais pas. C'était pas aussi facile que ça, ces ennemis-là. Et puis, ils esquivent nos coups et tout, il faut les avoir. Enfin, c'est l'un des seuls ennemis bien costauds. Avec aussi des gros. Des gros avec des boucliers, là. Des gros gobelins avec leurs boucliers. Parce que ceux-là, il faut bien. Anticiper leur attaque et aussi sinon si on les bourrine et ils esquivent notre coup puis après ils se protègent et si jamais ils se protègent à l'horizontale il faut faire des attaques verticales, voilà, vous voyez le truc, faut un peu réfléchir et pas faire des coups d'estoc, surtout pas des coups d'estoc, hein, les coups comme ça là en avant, parce que après ils nous contre-attaquent. Oh, t'as trouvé mon sac de bombes? Ouais, je te dois une fière chandelle. Allez, rends-le-moi. Hein, tu veux que je te le prête pour que tu puisses continuer ton chemin? Ah ouais, tu disais que tu cherchais une amie à toi. Tu devais y tenir pour venir jusqu'ici. En fait, à propos de mon pote... Il est rentré. Sérieux, il est pas possible celui-là. Enfin bon, t'as assuré. Tu l'as retrouvé dans ce guet-apens. Guet-apens. Trop fort. Ah, je te le donne, mon sac, va, prends-le et fais-en bon usage. Magnifique. Ah, vous avez le sac de bombes. Je t'ai donné mon sac de bombes, va donc chercher ton ami. Oups, j'ai oublié de te dire, mon sac doit être vide, alors prends ça. Ouais, il nous donne le 5 bombes. Tu peux ranger des fleurs de bombes dans ton sac, alors pense-y quand tu commences à manquer de bombes. Pendant que tu portes une bombe, tu peux la ranger dans ton sac en appuyant sur B. Souviens-t'en! Ton sac peut contenir jusqu'à 6 bombes. Remplis-le, 10 bombes. Remplis-le quand tu trouves des fleurs de bombes. Ah, il faut vraiment forcer ma voix là. Pour faire la voix un peu kikou du personnage. Donc, allez, vous voyez, comme il nous l'a dit juste avant, on peut ramasser des bombes comme ça. C'est fort pratique, c'est la première fois qu'on peut faire ça. C'est le premier Zelda qui. Où on peut faire ça, carrément prendre des bombes par terre, puisque dans les autres Zelda, c'est juste en tuant des ennemis, des fois ils nous donnent des bombes. Donc bon, là c'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Là vous croyez que je suis avec la Wiimote là, en train de faire l'équilibre comme dans Mario Galaxy, mais non, pas du tout, c'est juste avec le stick directionnel. Faut des fois se remettre, donc arrêter de courir. Une petite idée originale de ce donjon. Mais bon, c'est bizarre qu'ils aient pas utilisé la Wiimote. Comme ils l'ont fait avec Mario Galaxy.
Voilà, là je vais pouvoir exploser ça pour pouvoir aller plus loin. Ah, voilà, là par exemple c'est pas terrible ce que j'ai fait, parce que si on fait ça souvent il nous contre si on se plante. Là par exemple faut que je fasse un coup en diagonale mais vers le bas qui va vers le haut, enfin du bas vers le haut. Bah là c'est exactement la même chose, diagonale droite et voilà. Bref, c'est beaucoup de techniques pour battre ses ennemis. Le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'ennemis comme ça qui requièrent un peu de technique. C'est plus des ennemis comme les gobelins là, on les bourrine un peu et c'est bon, ils sont morts. Même si bon, des fois ils se protègent et tout, ils sont assez vifs, mais pas assez pour qu'on lui, pour qu'on leur décolle plein de droite et de gauche dans la face. Regardez, je fais droite gauche, voilà, il est déjà touché. J'ai fait n'importe quoi. Bon, attention à celui-là. Ceux-là, on peut les avoir avec les bombes. Ou en les écrasant comme j'ai fait avant avec la boule. Avec l'œil. Oh non purée, c'est encore un bug. C'est pas possible. Ça va le faire à chaque fois. Je sais pas pourquoi ça me le fait, mais... Ça doit être les piles. Parce qu'il y a pas très longtemps, ils étaient... Purée. Voilà, j'ai fait une roulade pour pas perdre encore plus de vie. Parce que quand on est en train de cramer, on perd, je crois, un demi-cœur. Bon, j'ai pas envie de perdre un demi-cœur, hein, je suis désolé. Et peut-être que si je suis en mode héroïque, je perds un cœur entier. Je crois que c'est ça en plus, donc voilà. Mais c'est vraiment un défi pour moi de faire le mode héroïque avec vous. Même si j'ai déjà fait ce donjon en mode héroïque. Bon, c'est pour ça que je le connais quand même assez bien, vous avez vu. Bah, je vais jamais être bloqué à ce donjon, même si la toute première fois, je... Pour tout vous dire, j'étais bloqué, bah, je vais vous montrer où j'étais bloqué. Putain. C'est possible, là, oh. Ah, le bourrinage, ça marchait pas très bien, là. Ah, le fameux thème, tout comme toujours. On a la carte du donjon. Voilà. La carte du donjon où on est presque obligé de la voir dans ce donjon là. Parce que vous allez voir pourquoi, je vais vraiment vous montrer un truc vraiment mais fourbe. Enfin non, pas aussi fourbe que Super Metroid, mais c'est quand même fourbe. Alors on va déjà péter quelques vases. Je sais pas moi, ça me fait plaisir d'avoir 2 rubis de plus sur 736. Ça change tout ou quoi? Je passe de 734 à 736. C'est une très bonne affaire. Et on perd 2 minutes, c'est cool. Ah. Bon, souvent, bah là en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai des gants pour creuser ces fameux trous. Des fois, ça peut faire apparaître des fées, comme vous avez vu avant. Des rubis, enfin, toutes sortes de trucs. Inimaginable et bah, ça peut même être des objets pour le craft parce qu'il y a beaucoup de crafting, je vous ai déjà montré dans la partie intro, vous allez voir de toute façon ceux qui n'ont pas vu. Donc là il faut faire monter les plateformes ici. Donc vous voyez qu'à droite et à gauche il y a comment dire des espaces d'interrupteurs. On va les enclencher avec, bien sûr, la boule, que je ne trouve plus. Elle est où? Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fout là, d'ailleurs? Je sais pas. Ah, purée! Voilà, on va faire gaffe à notre pote, là, on l'écrase et c'est bon. D'accord. je voulais que vous admiriez ce jingle, mais vu que la manette est encore buggée, c'est quand même très souvent qu'elle bug. Je sais pas ce qu'elle a ma manette, mais parce que la première fois que je l'avais fait le jeu, j'avais pas fait avec la même manette. Parce que là j'ai la Wii bleue, donc j'ai ma télécommande bleue, et je pense que la batterie qui est dans ma télécommande c'est de la merde.
Mais elle fait que de bugger, je sais pas pourquoi. Mais bon, je la prends parce que je la trouve belle. Tout simplement, le bleu, c'est l'une de mes couleurs préférées. On s'en fout un peu, mais c'est pas grave. Et oui, parce qu'avant, j'utilisais une télécommande Wii basique avec un truc Wii Motion Plus en plus, je crois. Enfin, qu'on pouvait insérer si jamais on avait qu'une télécommande Wii basique et qu'elle n'avait pas le Wii Motion Plus. Parce que c'est arrivé plus tard, les télécommandes Wii avec Wii Motion Plus. Donc avant, il fallait... fallait enclencher un truc qui permettait d'avoir le Wii Motion Plus. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est pas grave. Je pense que vous savez ce que c'est. Je pense que même les noobs connaissent très bien la Wii. C'est une console de famille. Donc là, voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Là, franchement, est-ce que vous voyez vraiment la fissure? On la voit à peine, hein. C'est... Il faut vraiment bien la voir. Mais bon, grâce au plan, parce que si je fais plus, on peut voir le plan, et grâce au plan, on peut bien voir que faut bien passer par ici pour arriver de l'autre côté, pour arriver ici, pour pouvoir enclencher l'interrupteur ici. Comme j'ai fait avant. Voilà, mais ça, franchement, si on n'a pas la carte, c'est introuvable. Et ce genre de truc, ça me fait penser à Super Metroid. Parce que Super Metroid, c'est un peu la même chose. C'est bah sauf que là on voyait encore un tout petit peu la fissure, que dans Super Metroid on voit vraiment que dalle, on est obligé de à 100% d'utiliser la carte. Et puisque Super Metroid c'est un jeu que j'ai fait il y a pas longtemps sur émulateur, donc voilà. Oui, je l'avais pas à l'époque, c'est pour ça. Ok. J'ai pas compris ce saut Oh non. Et on recommence tout, c'est super. Non, j'ai vraiment pas compris comment il a sauté. Ah, les sauts automatiques de Zelda, c'est pas ce qui... C'était mieux avant. Ah, dans Ocarina of Time, il sautait super haut. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que dans Zelda-là, les sauts automatiques, ils sont un peu foirés. Peut-être que c'est que de moi, hein, je sais pas. C'est parce que j'aime pas ce style directionnel Nunchuk. Ah mais sinon en parlant des anciens Zelda, moi j'ai que. Enfin à l'époque j'avais eu que Wind Waker et Twilight Princess. Ah. Pour les Zelda de console de salon, j'avais eu ensuite le Zelda de Spirit Track, je crois qu'il s'appelle. Enfin, le premier sur la DS et puis un second sur DS et Spirit Track, ça c'est sûr. Ou alors, enfin bon, je sais plus trop le nom, mais on s'en fout un peu. Sinon, vous mettez Zelda DS, vous allez tout de suite trouver. Et les Zelda DS, je les ai pas finis parce que je m'ennuyais. Bah, franchement, c'est des Zelda, je m'ennuie un peu. Je vais peut-être les finir un jour. Bon, on les a pas achetés pour rien. Enfin, le Zelda avec quand il est dans le train, franchement, je trouve que ça fait vraiment bizarre. Mais si vous êtes fan de Zelda, vous pouvez peut-être vous l'acheter, mais les Zelda DS sont vraiment totalement différents des Zelda console de salon. Enfin, surtout, on est en vue du dessus comme les anciens Zelda, comme les Zelda 2D, ceux qui sont pas en 2D. Et bien sûr, on a les fameux graphismes incroyables de la DS, donc voilà, c'est pas incroyable. Donc voilà, les Zelda sur DS, pour moi, c'était moyen. Je les ai pas finis. C'est les seuls Zelda que j'ai pas finis, puisque après, j'avais fait The Legend of Zelda, Wind Waker, c'était mon tout premier Zelda, lui. Et puis lui, je l'ai fini, bah, un excellent jeu normal. C'est l'un des plus grands titres, l'un des plus grands Zelda au monde avec Ocarina of Time. Enfin, pour moi, Ocarina of Time, c'est pas le meilleur. Mais bon, pour la plupart, c'est le meilleur. C'est un méga hit.
parce que moi je m'attendais franchement à un Zelda qui défonçait Wind Waker, franchement, parce que il y en avait qui disaient carrément qu'il était encore mieux que Wind Waker, et finalement, bah, c'est pas un Zelda fort intéressant. Enfin, je suis vraiment amusé sur Ocarina of Time, mais je m'attendais à plus en fait. Donc faut souvent pas trop écouter les gens, dire que c'est une légende, le jeu et tout, faut plutôt ne pas trop s'attendre à un truc de fou furieux, et c'est comme ce que j'ai fait pour ce Zelda là. De toute façon je m'attendais pas que ce soit un Zelda de fou celui-là. C'est un très bon Zelda, on s'amuse toujours, mais... Par exemple pour les graphismes, je m'attendais que ça soit ça, hein, que les graphismes soient vraiment moyens. Que ce soit du niveau de Wind Waker, même un peu moins peut-être. J'avais vu ça dans le trailer, c'est ce qu'ils nous avaient dit Nintendo, que ça allait être un Zelda qu'ils avaient pas beaucoup travaillé sur les graphismes, mais qu'ils ont plus travaillé sur les mouvements, sur le gameplay de ce Zelda, qui est le point fort de Zelda bien sûr. Puis sinon bah Wind Waker, je vous ai tout fait, vous avez vu les temples et tout. Bah, moi je les trouve franchement Wind Waker. J'ai franchement pas trop galéré pour les temples dans Wind Waker. Et peut-être le temple du vent sinon, je vous avais dit, ouais, il est catastrophique celui-là. Mais finalement il était pas si catastrophique que ça, c'est peut-être parce que j'étais plus jeune, j'en sais rien. Et je suis déjà presque mort, c'est super. C'est super. Ouais, moi bon, je m'en fous, c'est des faits que j'ai, donc je vais pas me faire chier. Mais je pense qu'il n'y a pas de chaise. Parce que oui, on se requinque maintenant avec en s'asseyant sur une chaise. C'est totalement logique. Mais je sais pas s'il va y avoir un tabouret dans les parages. Ça sera fort intéressant. Parce que moi, c'est pas avec un cœur que je vais pouvoir aller très loin. Enfin, bien sûr, j'ai encore deux fées. Mais bon. En mode héroïque, il faut s'attendre à tout. Et c'est ça le défi. Faire les donjons avec vous en mode héroïque, là, c'est vraiment un défi. Même si j'appellerai pas trop ça des vidéos défi. Parce que bon, de toute façon, j'ai déjà fait le jeu, donc... Bon, les vidéos défi, c'est plus... des handicaps qu'on se lance, ou aussi une espèce de vidéo découverte, mais sur des niveaux compliqués. Je vais l'écraser celui-là. Voilà. Je pense que j'ai oublié un truc, donc je vais peut-être revenir. Il y a peut-être quelque chose là-bas. Je m'en souviens même plus. On va descendre. Oui, c'est bien. Il a bien sauté, c'est bien. Attention au Goomba. Au Goomba. Ah, ils ont trop une tronche de Goomba. D'accord. C'était magnifique ce fail. Ça commence très bien cette partie. Ben, nous sommes quand même à 29 minutes 30. Ça peut aller. Alors, je vais faire une petite sauvegarde parce que j'ai toujours peur. Alors, il vaut mieux hein, si jamais je fais plein de conneries. Surtout que là il me reste vraiment plus rien. J'ai que des flacons vides sauf un. Je pense que ça servait à rien en fait de venir ici, juste de perdre un cœur, c'est super. Super génial. Voilà, vous allez peut-être vous dire que... Oh mon dieu, mais c'est pas droit, ça va être compliqué. Mais bon, vu que c'est avec le stick directionnel, c'est simple. Si on était dans un Mario Galaxy, c'est vrai que ça aurait pas été la même chose. Déjà que c'était un calvaire d'aller tout droit dans Mario Galaxy. On va se faire le lézard. Ah mais il y a l'autre qui nous balance des boules de feu derrière. Je préfère plutôt me faire l'autre. Je vais l'écraser. Comme un gros satanas. Ah, et bien entendre son cri de douleur. Pour bien me... Je
plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'était pas important. Allez. Faut quand même aller assez vite parce que, bon, j'ai pas envie de perdre des cœurs pour rien. Je pense que là, c'est juste un, oui, un rubis rouge. Souvent, quand c'est des petits coffres comme ça, c'est pas incroyable. Surtout que j'ai 886 rubis. On va encore faire la blague avec le rubis. Bon, ça m'intéresse quand même parce que j'allais m'acheter peut-être un nouvel emplacement pour la sacoche. Là, vous voyez, là, j'ai pas grand chose, surtout que je crois que je vais avoir un nouveau flacon avec les quêtes secondaires. Ah, parce que à Célesbourg, le grand village du jeu, enfin le seul village du jeu, et ben il y a beaucoup de quêtes secondaires à faire. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit. Encore une fois, ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait des vidéos de Zelda, donc voilà. Alors là, je pense que... Ah, faut monter. Attention, esquive des cailloux, voilà, c'était genre ça, voilà, quoi. Les gobelins qui nous balançaient des cailloux. Enfin, des rochers. Sauf que là, c'est juste un mécanisme. Donc là, on va descendre par là. Parce que là, franchement, c'est... Normalement, un joueur qui commence pour la première fois le donjon, il fait pas ça. Il va pas direct là, oui, là je sais, il faut monter, il faut balancer une bombe pour exploser des rochers. il fera pas ça. il trouvera pas ça dès le départ. Bon, même si encore ça, c'est pas difficile à trouver. Le donjon, de toute façon, en lui-même, celui-là, ce temple-là, n'est pas difficile, hein, le temple de la terre. C'est super. Non, attends, il faut en fait poser la bombe et la rebalancer après. Allez, vas-y! Ah putain, mais... Trop tôt! Bon, je la balance direct. Et voilà, parfait! Voilà, fallait péter le mur de roche. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais bon. Mais voilà, ce Zelda, vous voyez que techniquement. Ouais, c'est. Ça casse pas trois pattes à un canard. Vous voyez bien que. Que voilà, c'est. C'est fort. c'est fort pixelisé. C'est. C'est ça le problème, c'est que. Le problème, c'est que ce Zelda, pour la plupart, ils doivent se dire qu'il allait être aussi beau que Mario Galaxy, mais non, faut pas exagérer, il n'utilise pas énormément de la puissance de la Wii. Hein. Même si la Wii, c'est pas une console fort puissante, on peut se dire quand même que... Ah, on pouvait se dire quand même que... qui pouvait faire mieux qu'une GameCube, alors que là on est face, bah, la GameCube franchement pourrait faire ça. Twilight Princess est plus beau que ce Zelda Skyward Sword, tout simplement. Et bon, je trouve qu'il a un petit côté particulier, hein, ce Skyward Sword, que n'a pas les autres Zelda. Par exemple, les personnages, c'est pas du cel shading, mais je sais pas avec quoi ils sont faits, mais c'est un peu style Wind Waker, mais c'est encore différent. Donc oui, c'est vrai que esthétiquement le jeu est beau, enfin il est bien, mais techniquement voilà. Twilight Princess, jeu de 2006, est plus beau. Alors que lui, il doit être fait en 2012, donc voilà. Ah ok, c'était magnifique. j'ai pas compris. C'est parce que j'ai mis trop de temps, parce que j'ai. J'avais pas une autre fée. Oui, je veux continuer. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça va. Attends, j'ai pas d'autre fée. Bah si. C'est quoi ce bug? Pourquoi je suis mort alors? Moi je sais pas. Moi c'est pas grave, de toute façon il y a un checkpoint juste derrière. Enfin encore, il y en a presque jamais d'habitude des checkpoints, je pense, ouais. Si on a game over, ça fait vraiment chier en vrai. Alors que là, vu que j'ai récupéré le...
la porte, la clé pour la porte du boss, je pense que... Mais il y avait un checkpoint à ce moment-là. J'ai eu de la chance. Donc voilà, voilà, maintenant c'est parti pour l'enfilage de clés. Il faut se déboîter... Faut se déboîter le bras pour réussir. Enfin, le poignet plutôt. Et voilà, la porte s'ouvre comme par magie, mais qu'est-ce qui va se cacher derrière cette porte? Que va-t-il y avoir? Nous le saurons dans le prochain épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword. Non, je rigole. C'est un peu saoulant de faire cette blague à chaque fois. Il y a du suspense à chaque fois, mais... Ah, mais c'est tranquille, j'ai cru que j'allais mettre beaucoup plus de temps à faire le donjon, mais finalement, on n'est qu'à 36 minutes. Et plus l'intro, je sais pas moi, ça fera à peu près 36 minutes 40. Oula, la manette elle s'excite. Voilà, c'était l'excitation de la manette de la télécommande Wii. Donc voilà, il y a des fois, elle vibre à mort. Elle vibre tellement des fois qu'on a envie de faire. Attends, c'est où? Qu'on a envie d'enlever la vibration, même si moi je la laisse pour le fun. Comme toujours. Ah bah je suis au maximum. Ah mais non. Il y a une bombe juste à côté de moi. C'est trop con. D'accord. Notre feuille aura peur. Le roi de Zelda est proche. La chaîne que vous voyez émet un signal très fort. La probabilité que le dame Zelda ait été attaché avec est de 94%. 95 ou 96, j'en sais rien. Dame Zelda a dû trouver un moyen de sortir d'ici et de progresser plus avant. Je vous recommande de la suivre au plus vite. Voilà. Fail est toujours indispensable. Oh mon dieu, Jiraim, comment on se retrouve? Oh, quel rustre je fais! Ton nom m'est complètement sorti de la tête! À vrai dire, cela n'a aucun... ça commence bien. Cela n'a aucune importance. Je suis quelque peu froissé, vois-tu? Alors que mes sbires viennent de mettre la main sur la prêtresse, je me rends sur les lieux, le cœur léger. Et qu'apprends-je? Que cette satanée servante de la déesse... Là encore une fois, soustraire à mon emprise. Pourquoi faut-il toujours qu'on me mette des bâtons dans les roues? Alors que j'ai besoin de la prêtresse pour appeler mon maître à la vie, il le faut. Mais je m'emporte. Tu vois à présent pourquoi je ne puis partir d'ici, le cœur tranquille. Enfin, je n'ai aucune raison de rester calme. Tu devrais même plutôt... avoir peur d'une fillette comme moi. Laisse-moi éclater ma colère en t'envoyant un mob. Rock, incandescent, Berladama. Non, j'ai pas doublé. Voilà le fameux boss de ce donjon, de ce temple, qui est très facile. Même en mode héroïque, je pense qu'on va l'avoir du premier coup. Sans le magnifique fail du game over avant. Parce que là, en fait, faut qu'il se prenne les bombes d'abord. Ou alors on peut lui en envoyer une aussi. Mais j'avais la flemme. Et puis après... on peut lui rebalancer une deuxième bombe pour qu'il l'avale au moment où il va attaquer. Parce que quand il va attaquer, il crache des boules de feu, mais juste avant, je sais pas pourquoi, il essaye d'avaler quelque chose. C'est pour la concentration du grand guerrier. Voilà, et après, faut le taper dans l'œil. Ce qui est un peu difficile là, parce que l'œil n'était pas très bien placé.
purée, il fait encore ses boules de feu. Ah, normalement, il le fait après. Bon, bah là, on va la balancer. Ouais, il a que deux attaques différentes et puis après, il va un peu évoluer pendant le combat, mais bon, à peine, quoi. Ouais, il va... Ah, il vient vers moi, là, purée. Il a failli m'avoir. D'accord, je me suis planté. Fallait que j'attende qu'il ouvre sa belle gueule. Voilà. Pour pouvoir en finir une bonne fois pour toutes. Oh là là, ce... Ah là, je pouvais pas faire mieux. Et voilà, là maintenant, il va plus vite que nous. Et puis... voilà, il écarte les jambes, donc c'est facile d'aller en dessous de lui. Et voilà, franchement... boss très très simple, pas la moindre difficulté pour le grand Liver Plasma. Voilà, bon, sauf cette attaque, hein, je sais jamais trop comment l'esquiver, mais ce qui est incroyable, c'est que je l'ai esquivé deux fois. Allez, balance-moi, voilà. Ah, il est résistant, le bougre. Et voilà. C'était un boss fort palpitant, moi je trouve. Ah, et encore mieux que Jiraim. Non, je rigole. Non, mais j'ai pas été déçu pour les boss dans ce Zelda, parce que même dans les Zelda précédents, de toute façon, ça... De toute façon, moi, pour moi, la série Zelda, le point fort de la série Zelda, c'est pas du tout les boss. Même Ocarina of Time, franchement, les boss, ah là quoi, c'était de la merde. Faut le dire, il y a juste le boss final qui rattrapait tout. Surtout quand tu sors d'un temple de l'eau extrêmement dur dans Zelda Ocarina of Time et juste après t'as un boss tout pourri. On doit battre avec le grappin, si je me souviens bien. Oui. Parce que ça fait un an que je l'ai plus fait, mais bon. Voilà, quand on l'a fait quand même sur 3DS, on s'en souvient assez récemment. Non, Dame Zelda, le temps n'est pas encore venu, et vous le savez. Pardonne-moi, Oliver Plasma. Mon dieu, c'est horrible! Non! Mon dieu, j'en crois pas mes yeux, c'est la première fois que je vois ça! Tu arrives bien tard, la déesse aurait-elle fait erreur en te choisissant? Crois-tu vraiment que tu pourras protéger Dame Zelda ainsi? Ma façon de parler te déplaît? Sans mon intervention, Dame Zelda serait aux mains de l'ennemi à l'heure qu'il est. Tu ne peux nier l'évidence. Tu n'es pas arrivé à temps, tu n'as pas su la protéger. Dame Zelda s'en est allée accomplir sa destinée. Élu, si tu souhaites réellement lui venir en aide, par tes propres moyens, tu devras te soumettre aux épreuves que tu rencontreras. Alors seulement tu pourras être utile à Dame Zelda. Comprends-tu ? Mon jeune aventurier, mon jeune apprenti, plutôt.
Voilà, magnifique apparition de Impa, qu'on a déjà vu juste avant le donjon. Enfin, le temple. Enfin, vous l'avez pas vu, mais voilà. Moi, je l'ai vu. Impa, un personnage qu'on voit jamais dans les Zelda, sauf Ocarina of Time. Ça, c'est donc sa deuxième apparition. Parce que dans Wind Waker, je m'en souviens pas, non. Je pense pas qu'il y avait Impa, non. Il y avait pas Impa. Et... Parce que Impa, en fait, en gros, c'est... C'est celle qui... c'est la garde du corps de Zelda. Ah merde, je suis con, j'aurais pas dû faire ça tout de suite parce qu'il y avait des fées, je crois, derrière. C'est con. Bon, c'est pas grave. Pour le fun. Nerdre, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. Je vais vous traduire leur message. Les abîmes du temps nous diront celui que la déesse aura d'une mission à rester. La source de la terre la prêtresse à quitter pour prendre enfin la route vers sa grande destinée. Dans l'encre de la neige, l'enfant au grand destin passe la porte du temps vers un monde lointain. Mais ne m'écoutez pas, elle peut être plutôt le thème en arrière-plan qui est magnifique, contrairement à la voix. Ah, vous avez obtenu la stèle ambre, c'est une vieille plaque en pierre très lourde. Quelle description incroyable. Voilà, en gros, le thème que vous avez entendu, en même temps que ma magnifique voix, bah, c'est le thème de ce Zelda Skyward Sword. En fait, c'est le thème de Zelda, mais en arrière, enfin, à l'envers. Notre livre passionnant, Dame Zelda, est venue se purifier dans cette source. Les effets anciens sur la stèle suggèrent qu'elle a dû ensuite se diriger vers la région, appelée Lunel. Si vous reportez la stèle au temple, une colonne de lumière au vent, une nouvelle voie apparaîtra. Retournez à Célestbourg pour y porter la stèle et continuez votre route vers l'éternel. Voilà, les terres de l'Anel qui est en gros... les terres ensablées, quoi. C'est le désert. Ah voilà, maintenant on va sauvegarder et quitter. Non. Vu qu'on est qu'à 49 minutes. Ça me semble pas. Bah, j'ai vraiment géré pour ce temple. J'ai fait presque aucune erreur, sauf à la fin avec le magnifique game over. Donc voilà, c'est. On va monter dans les cieux. Merde, je pars ici. On va monter dans les cieux pour pouvoir poser cette magnifique stèle, ce magnifique pavé. Et voilà. Sinon, j'ai pas tout raconté pour l'histoire des anciens Zelda. Oui, les anciens Zelda, Wind Waker. Voilà, je trouve que c'était un très bon Zelda, mais ce qui est bizarre, c'est que je me suis plus amusé sur ces Zelda-là, et pourtant je sais que Zelda Wind Waker le surpasse. Mais... Je sais pas pourquoi, je me suis plus amusé sur celui-là, et je l'ai même refait, alors que Wind Waker, je l'avais fait qu'une fois à l'époque, et là je l'avais refait pour les vidéos. Donc sur Wind Waker, c'est... C'est un très bon Zelda également, mais qui est peut-être moins amusant parce qu'il y a moins de trucs qui se passent. C'est moins foufou. Parce que dans Zelda-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et il y en a tellement que je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos, des épisodes, trois épisodes spéciaux. Ça sera des épisodes qui seront juste avant certains trois donjons, trois temples. Parce que dans Zelda aussi, il y a pas mal de temples, je crois. Je sais plus combien il y en a en tout, 7 peut-être. 7 ou 6. Beaucoup de temples. Plutôt 7 peut-être. Beaucoup de temples et...
contrairement à Wind Waker où il y en avait moins. Et bah d'ailleurs les temples sont aussi bons que Wind Waker, ou peut-être voir il y en a certains qui sont vraiment il y a vraiment des bonnes idées, comme le galion quand même, aller sur un bateau c'est quand même pas mal, même si pour la plupart je pense que Wind Waker est quand même reste mieux. Et moi je dis clairement aussi que Wind Waker est un meilleur titre, parce que Wind Waker il est légendaire, alors que ce Zelda Skyward Sword, on sent que c'est du réchauffé, que c'est toujours la même chose. Enfin, on n'est pas bluffé, et puis surtout que on s'attendait que les niveaux là dans les airs, que ça soit aussi important que l'océan dans Wind Waker, alors que ça sert presque à rien de voler avec son oiseau. C'est plus un temps de chargement qu'autre chose. Et donc, bah, je trouve que c'est plus archaïque que Wind Waker de ce côté-là. Parce que voilà, vous voyez que pour aller dans d'autres zones, à chaque fois sur la Terre, eh ben, on est obligé d'aller dans les faisceaux de lumière que vous avez vu là. Et moi, je trouve que c'est... je trouve que bah, ça fait plus archaïque, c'est même Ocarina of Time est moins archaïque. Parce que Ocarina of Time, on était dans la plaine d'Hyrule, il y avait vraiment... un côté aventure, puisque on allait de, par exemple, d'un temple à un autre, il n'y avait pas de temps, il y avait presque pas de temps de chargement, et ça se faisait via la plaine Hyrule. Partout c'était, on allait, enfin ce que je veux dire c'est que le volcan par exemple, le temple du feu, faisait partie de la plaine Hyrule, alors que là il n'y a pas de plaine Hyrule. Ils auraient dû en faire une d'ailleurs, et voilà, c'est ça que je trouve dommage. Puis aussi bah, pour Twilight Princess, il y a la plaine Hyrule aussi, je vous ferai Twilight Princess bien évidemment. Donc voilà, sinon sur ce je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, et vous avez vu que comment j'ai géré malgré le fail à la fin avec le game over. On est quand même allé assez vite dans ce donjon. Et je suis fier de moi, je finis en 50 minutes, même un peu moins. Je pense pas que ça va se passer de la même manière pour les suivants, parce qu'ils sont plus longs. Et plus on avance dans les Zelda, plus les temples sont plus longs. Donc sur ce, on se retrouve dans le prochain temple. Le temple de la neige. Et je pense que c'est le temple du sable, on va dire.